quand tu te couches à 4h du matin et que tu dois assumer pour aller t'entraîner à 9h. On se retrouve à l'entraînement. Oh, t'as repeint chaud les commentaires dans la dernière vidéo, hein? Je vois que celle-là, elle a déchaîné les passions, hein? Doping, pas doping, par le cul, pas par le cul, mais frérot. Je suis habitué. Eh ouais, le bulging vient de loin. Et le bulging va continuer à grimper, frérot. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Bon, on n'a pas beaucoup dormi, donc on a dû utiliser un pré-workout. Un pré-workout caféiné, gros. Voilà ce qu'on a dû faire. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas contre les suppléments alimentaires, les gars, mais il faut savoir les utiliser intelligemment. Comme par exemple les pré-workouts, ils sont toujours tous très mal dosés, donc du coup, on rajoute nous-mêmes les bons ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Comme la whey, d'ailleurs, je ne suis pas contre, mais je l'utilise un minimum. Hier, journée chargée, j'ai intégré une whey à l'intérieur de mes repas. Assez parlé, c'est parti pour les épaules, les gars. Mon point faible qui est devenu un point fort, une noix de coco, paraît-il. Allez, on se remet au boulot. Ça fait 3 semaines que la vidéo elle est prête, mais j'avais la flemme de poser ma voix. Alors je le fais maintenant. On commence la séance avec des élévations latérales. J'ai chauffé à 12 kg. Je vais monter en pyramide, 16 kg. Et puis mes séries effectives à 20 kg. Comme vous pouvez le constater, mes bras ne montent pas trop haut pour ne pas taper sur les trapèzes et rester vraiment sur le faisceau de l'épaule. Pour moi, c'est un exercice roi. Parce que je suis faible en épaule et c'est celui qui forme la coquille, la rondeur de l'épaule, élévation latérale, 4 séries de 10. Deuxième exercice, développé militaire à la machine convergente. Alors là, pareil, je vais monter en pyramide. Je vais faire une série de 20 répétitions à 50 kg, une série de 15 répétitions à 80 kg, et puis je vais charger la machine à bloc, 100 kg, et je vais faire mes 4 séries de 10. Alors j'étire bien le faisceau avant et je développe jusqu'en haut. Mais vous voyez, je verrouille jamais les coudes. 4 séries de 10 à 100 kg. Troisième exercice, on passe au faisceau arrière. Alors en ce moment, c'est un des faisceaux sur lequel j'insiste le plus. Donc je prends une charge légère et je vais taper des séries de 20. Il n'y a que comme ça que mon faisceau arrière réagit parfaitement. Donc là, j'ai 12 kg. Et je vais taper 4 séries de 20. J'étire au maximum vers le bas, je remonte en contraction et je relâche mes bras. On continue avec le faisceau arrière, cette fois-ci à la corde. Donc comme vous pouvez le voir, je change souvent mes angles de travail. Et là, j'utilise un angle avec les coudes en position basse. J'ai les épaules basses et j'arrive parfaitement à ressentir mon faisceau arrière sous cet angle-là. Mais bon, j'utilise quand même de temps en temps un angle un peu plus haut. 4 séries de 15. Après avoir bien fatigué mon arrière d'épaule avec des séries longues et des charges plutôt légères, je passe en unilatéral, cette fois-ci beaucoup plus lourd. Je fais 4 séries de 7, je contracte bien haut du mouvement et je relâche toujours parfaitement le faisceau arrière. Donc comme vous le voyez, l'angle d'attaque il est haut pour ne pas taper sur le dorsal et puis l'amplitude reste partielle. On revient sur le faisceau latéral, mais cette fois-ci en supination. Alors, c'est un exercice que j'ai trouvé récemment et que j'ai intégré à ma routine. Il est incroyable, je vous le conseille particulièrement. 4 séries de 10. Enfin, dernier exercice, une fois que j'ai bien matraqué les faisceaux séparément, je reviens sur un développé. Ça choque le muscle. C'est un exercice que vous pouvez placer en début de séance ou en fin de séance avec une charge un peu plus modérée et un contrôle parfait de la charge. 4 séries de 10. J'espère que ça t'a plu parce que moi j'ai kiffé. Les épaules, c'est un de mes groupes musculaires préférés. Déjà, premièrement, parce que c'est un point faible et que j'ai dû les tabasser pour en avoir, tu vois. Et aujourd'hui, ben, ma récompense, c'est que des fils de pute me traite de dopé sur internet en me disant tes épaules sont disproportionnées. Bulging, gros, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Hier, je t'ai parlé d'un epic cheat day, d'accord?
Donc moi c'est cheat day, hein, mais si tu peux pas te le permettre, c'est cheat meal. Hein. On va commencer avec ça, Belgique. Regarde-moi ça. Oh yeah, ça papaya. Ça vous dirait un coquille avec mon ami et moi? Voilà, ça gros, c'est mon péché mignon. Fourré au Nutella, comme je fourre Nutella. Bon, je vais me construire une assiette digne du bulging et je vous retrouve dedans. Soup. La vidoame, j'ai oublié de fumer ce que j'ai bouffé. C'est un truc de fou. J'en avais tellement envie que je me suis jeté dessus, j'ai même pas filmé, gros. Je te fais un récap. Tu me crois sur parole, comme pour le dopage. Donc, du coup, j'ai mangé 4 blancs d'œufs, 2 jaunes, un bol de trésor de Kellogg's avec de la whey protéine que j'ai mélangé avec de l'eau. J'ai mangé 2 petits pains au chocolat, un cookie fait maison, fourré au Nutella. Qu'est-ce que j'ai pris? Une espèce de crumble aux pommes. Il était un peu foireux, mais un peu trop fondant au centre. D'habitude, ça me gêne pas quand c'est fondant au centre. Et quoi? Je crois que c'est tout. Ah oui, un petit beignet aussi fourré au Nutella. C'est ce que j'ai mangé en premier. Voilà. Donc, first meal de cette épique foireux cheat day. Ah oui, et une tranche de brioche toastée pour saucer le jaune, tout ça, tout ça. Premier repas, first. Là, c'est terminé. Je suis en train d'explorer une nouvelle option là qu'ils ont fait Instagram. Ça a l'air d'être un truc de fou. Tu as la possibilité de faire des vidéos longues comme sur YouTube et de publier ça. Donc je vais voir un peu comment ça marche. J'ai retapé mon profil à neuf. B. Enfin, on m'a aidé à retaper mon profil à neuf. Je suis assisté en ce moment, je commence à avoir une team. Une team pas mal. Une team bébé monstre. Donc les gars, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram. Parce que je vais de plus en plus publier des recettes alimentaires, des techniques d'entraînement. Ça va être vraiment intéressant. 300 Show Must Go One, ça s'affiche là. Mais si tu tapes Iron Saw, qui s'affiche là aussi, tu me trouves sans problème. Ok? Rejoins-moi sur Instagram. Elle est fou. Tout est sombre. Bonjour. Alors, il vous manque juste la boîte de neuf. Dès qu'elle arrive, je vous la donne. Allez, pas de soucis. Comment ça? Voilà. Merci bien. En vrai, j'ai vraiment pas choisi le bon jour pour faire un cheat day, je te le dis. Il fait 40 degrés, gros, j'ai dormi 3 heures. Donc là, 200 g de trésor de Kellogg's, 70 g de whey protéines, un cookie fait maison, gigantesque. Fourré au Nutella,
Et ma préférée de chez Ben & Jerry's. Voilà. Juste après ça, coaching. Et puis ensuite, on verra à quelle sauce je vais vous manger. Je coupe avec de l'eau les trésors, hein, pas avec du lait. Je porte pas trop le lait. Donc du coup, voilà. Ça sera pas le cheat day de ma vie. Après le ramadan, l'estomac il est encore un petit peu fermé. Mais ça va quand même. Au McDo tout à l'heure, j'ai pété un Big Mac, les nouveaux là, les géants. Un triple cheese, une boîte de neuf, deux frites, un McFlurry et un Coca. Ça va, c'est un McDo correct. Et puis ce matin, je vous ai dit déjà ce que j'ai mangé. Voilà les gars, je vous retrouve pour la suite des événements. Donc, j'espère qu'on n'a pas vu ma queue quand je me suis levé. On fait un peu soft pour ce repas parce que j'en peux plus, je vais exploser. Alors on a des raviolis au parmesan, on a une bonne viande rouge grillée, zah un peu de verdure. Et là, tu vois, c'est trid de la maison, le pain arabe. Ça fait bien gonfler le ventre, ça gros, plein de beurre. Voilà, donc épisode 4, épisode 3. Je sais plus à combien on en est. Ceux qui ont compté, dites-moi à combien de repas j'en suis. Et je sais pas si je pourrais en faire encore un autre avant de me coucher, mais bon, qui sait. Alors peut-être à tout à l'heure. J'ai plus la place pour rien avaler, les gars. Après le ramadan, c'était dur de faire un cheat, je te le dis. Ouais. Bon, c'est parti pour 16 heures de jeûne. Et demain, on se retrouve pour la deuxième session de dos de la semaine. Voilà, les gars. J'arrive plus à avancer. Et les courbatures des cuisses d'hier, mon Dieu. Mais bon, oh, je suis en payé à la bouffe, putain. En vous souhaitant bonne réception. Iron Soda dans le building.